Salut, c'est Bouada. L'année dernière, j'avais déjà parlé d'Inktober, j'avais fait deux vidéos, une le jour du lancement d'Inktober, donc le 1er octobre, et une à la fin pour faire mon petit bilan. Cette année, je vais vous faire une vidéo sur Inktober, mais par rapport à la préparation, comment bien se préparer à Inktober, en tout cas comment moi je me prépare, ça ne concerne pas forcément tout le monde, mes conseils ne seront pas forcément adaptables à tout le monde, mais moi je vais vous donner mes conseils pour bien préparer Inktober. C'est parti! Déjà pour ceux qui ont la flemme d'aller chercher sur internet ou de regarder ma vidéo de l'année dernière, et j'ai pas envie que vous quittiez cette vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'Inktober? C'est très simple, Inktober ça consiste à faire un dessin par jour pendant le mois d'octobre. Donc 31 dessins sur du papier avec de l'encre. Donc Inktober, ça a été créé en 2009 par Jack Parker, par le dessinateur Jack Parker, et au tout départ il y avait des règles comme noir et blanc sur du papier avec de l'encre et pas de croquis. Mais ces règles ont évolué, il y en a qui les font, il y en a qui les font pas, vous faites un peu comme vous voulez. Moi les seules règles que je trouve importantes, c'est de redessiner sur du papier, de renouer avec son premier amour, le premier amour de tous les dessinateurs, le papier, car vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, tous les dessinateurs, que ce soit des animateurs, des illustrateurs, enfin, peu importe, des auteurs de bande dessinée, on dessine quasiment plus qu'en numérique. Après, si vous voulez vraiment le faire sur tablette, faites-le. Le but, c'est de faire 31 dessins, de se faire plaisir, et voilà. Pareil pour la liste, vous n'êtes pas obligé de faire la liste officielle, il y a plein d'autres listes qui pullulent sur internet, faites par des illustrateurs de tout horizon. Il y a des listes spéciales médiévales fantastiques, spéciales Harry Potter, spéciales chiens mignons, voilà, il y a vraiment de tout. Vous pouvez chercher la liste qui vous convient le mieux. Personnellement, je reste attaché à la liste officielle, donc je ferai la liste officielle encore une fois cette année. Maintenant, passons aux conseils. Enfin, comment préparer son Inktober? Je me permets de vous donner des conseils, car l'année dernière était la première année où j'ai réussi à faire les 31 dessins en me préparant un petit peu en amont. C'est pas compliqué, définissez à l'avance un matos avec lequel vous allez travailler pour les 31 dessins. Donc checkez votre trousse, vos pots à crayon, savoir si tout fonctionne bien. Ne vous imposez pas trop de trucs, pas d'aquarelle avec 4-5 couleurs, 5 crayons différents, de la pastel, du machin. Non, prenez du matériel simple. Et avec le matos que vous avez, définissez une espèce de charte graphique, car c'est bien d'avoir le même format, le même style de dessin, etc. à chaque fois. Moi, la dernière, j'avais pris du papier craft, et j'avais découpé mes feuilles en 4 pour faire des petits carrés, vraiment tout petits comme ça. Et déjà, c'était assez petit pour que je puisse prendre qu'une heure ou deux pour faire le dessin grand maximum. Et en plus, une fois qu'ils étaient tous réunis, bah, c'était joli. C'était très joli à voir, hein, vous pouvez voir, là, je vais vous en mettre quelques-uns. Voilà, il y a une espèce de charte graphique, c'est joli. Et le matériel que j'utilisais, c'était juste du papier craft, un ciseau et une règle bien sûr pour découper les petits carrés, et ensuite des crayons de ce type là, hein, des crayons encre de Chine, enfin des feutres à encre de Chine, et des Posca, et voilà, c'était tout. Cette année j'ai repris la même chose, et en plus j'ai pris un petit truc d'aquarelle jaune qui est juste ici, ainsi qu'un carnet à aquarelle, du coup, forcément, assez petit, dans lequel je vais découper à chaque fois un format, j'en ai déjà découpé un ici, voilà, un format comme ça, un petit peu allongé, et ça, c'est le format que j'ai choisi cette année. C'est bien beau d'avoir le matériel et une charte graphique, mais ça vous dit pas ce que vous allez dessiner, et parfois, on peut passer du temps à réfléchir, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, mais l'année dernière, j'avais le temps, car mon fils n'était pas assez grand, et il pouvait encore aller dans le parc et tout, enfin, ça, c'est ma vie. Cette année, ce sera pas le cas, j'aurai que une heure par jour, grand max, pour faire mon dessin, ou alors, il faudrait que je continue le soir, si jamais j'ai pas fini. Bref, ça va être assez compliqué. Donc, pour vous préparer mentalement, moralement, ne pas trop stresser, pour moi, si la liste des thèmes paraît en avance, donc Jack Parker, il la sort le 1er septembre, donc un mois avant, et les autres dessinateurs, les autres listes, souvent, elles paraissent aussi avant. Et bien, pour moi, si cette liste sort avant, c'est pas pour rien, c'est qu'on puisse se préparer. Du coup, moi, j'ai fait un petit carnet dans lequel j'ai noté les 31 thèmes en anglais et en français, et j'ai commencé aujourd'hui, donc j'ai fait que le premier, à noter à chaque fois une idée, à essayer de chercher une idée de dessin avant, et ensuite sur les pages d'après, j'ai déjà commencé, bon pour le premier dessin seulement, à faire des croquis, vraiment des tout petits croquis de ce que je pourrais faire. Et pour moi c'est pas de la triche, c'est pas de la triche parce que si la liste sort avant, c'est pas pour rien, c'est pour s'enlever tout ce stress si on a le temps en vrai ça prend 5-10 minutes par jour, si vous faites ça au moins la veille de chaque jour, et ben voilà le lendemain vous avez juste à vous jeter sur votre dessin, et voilà. Et j'irai même plus loin, sachant que mon fils rentre à l'école le 8 octobre, ça fait qu'avant, j'aurai vraiment très peu de temps. Quand il sera à l'école, j'en aurai un peu plus. Faire des dessins d'Inktober à l'avance, pour moi, c'est pas de la triche, car le but d'Inktober, c'est de faire 31 dessins et de les publier. C'est ça le truc, les publier
en octobre. Si vous avez plus de temps un jour, ne vous en voulez pas si vous faites un deuxième dessin, peut-être même un troisième, ou si vous faites un dessin en retard parce que vous n'avez pas eu le temps la veille, etc. Il n'y a pas de règles, c'est pas un concours. Vous aurez rien à la fin. Pas besoin de se stresser, de se monter la frite pour rien. Il suffit juste de dessiner 31 dessins. Faites-vous plaisir et si vous n'arrivez pas à faire les 31, c'est pas grave. J'ai déjà dit, mais c'est important. C'est important, c'est pas grave. Voilà, c'est fini, c'est tout. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop brouillon. Je vais quand même récapituler tous ces petits conseils rapidement. Alors, petit 1, préparez votre matériel ainsi qu'un format et une charte graphique bien définie. Petit 2, réfléchissez en amont au thème et pourquoi pas faire des petits croquis à l'avance et même si vous savez que vous n'aurez pas le temps, en faire un ou deux à l'avance. Et petit 3 et dernier conseil, ne stressez pas, ne vous en voulez pas, c'est pas un concours, tout va bien. Ah, et en dernier quand même, suivez-moi sur Instagram, oui. D'ailleurs, c'est aussi sur Instagram que je vais mettre en vente mes Inktober une fois que ce sera terminé. Donc, restez à l'affût, restez aux aguets. Je vous préviendrai sur Twitter, sur Instagram et je ferai peut-être une vidéo bilan à la fin pour l'annoncer, mais c'est pas sûr. En tout cas, si vous voulez un original de Boisdin, incroyable, suivez-moi sur Instagram et j'essaierai d'en follow certains d'entre vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos Inktober, à me suivre sur Twitter. J'essaierai d'aller voir tout ça, de vous complimenter. On va s'encourager tous ensemble. Bon Inktober à vous. N'oubliez pas que j'ai un uTip aussi si vous voulez me soutenir. Mettez un petit pouce bleu et mangez des frites.